Malinus jamana jamaa mu sɔgɔlen don anw na su ani tile ani ɲaamuna. Bi ye alamisa ye novanburu kalo tile 30 san 2023. An ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ fɛn minnu kan o dɔ ye Mali armée ye banbagaci ɲɛmɔgɔ 3 minɛ ni an bɔra ye an bɛ taa Niger général Abu Tarka ale gɛnna ka bɔ Niger armée la kunnafoni walawalanin an b'o d'an ma an ka flash info kɔnɔ. Bismillah wa flash info kono kuna fon folo o betali ke lakana ko kan ba maga ci nyamo ko saba minela ani mali armée attaque do ko la kare murujan yoro yoro me nara marala bi so ma da jonaina yoro attaquera 5h30 mali armée o lu yo communiquer ke akan o ya jira ka fo ku ka ko sun be murujan ko ba wa tuye ki se tin ta ka nyashi ama ay ko na fon mu soro mali armée ma detail di nga o kuna fon ba jira ka fo ko ne attaquer ka dama jaba maga ci la chuya sila sabula kuna fon ba jira ka fo ko mali armée ka mɔgɔ fila banana kelen ta ka jugu ani banbagaciw bolila k'u ka su 15 to mali armée ye marifanta sɔrɔ o marifanta ninnu cɛla ni PKM be o la. I b'a ye k'a fɔ bamagaci ɲɛmɔgɔ dɔ kɔsanni in na mali armée bɛ ka minɛli kɛ mali militaire minnu bɛ kunnafoniw ɲini ka di militaire ɲɛmɔgɔw ma ni a bɛ fɔ o ma ko renseignement u bɛ baara la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ka na nin dɔgɔkun in na mali armée ye bamagaci ɲɛmɔgɔ 3 ɲɔgɔnna minɛ a dɔgɔyalenba a kelen ni o minɛra mali armée fɛ novanburu kalo tile 24 Gourmarous mara la i b'a ye k'a fɔ ni cɛ kofɔlen in ye mɔgɔ ko ladɔnnenba ye Gourmarous a bɔlen Tombouctou ka kurun ta k'a kunda Gao kan o waati mali armée ye tigɛ kɛ a la o kɔfɛ kelen ni a kunnafoniw carilen don bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a jira k'a fɔ i b'a ye nin cɛ kofɔlen mɔgɔlakɔndɔnnenba don duwanza kɛrɛnkɛrɛnya la boni kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko tigɛ kɛra ale la kunun cɛ dɔ sira ma o b'a jira k'a fɔ ko nin ye banbagaciw ka mugujugu dilanna ye ni tɛgɛ kɛra ale la kulukoro mara la ale tɔgɔ Amadou Bouli an ye kunnafoniw sɔrɔ ka jira k'a fɔ ko tigɛ kɛra ale la kunun ye an bɛ dugawu de kɛ dugu ninnu dogolen na ala k'u bɛɛ labila mali armée. Kunnafoni filanan o bɛ taa n'a ye Niger. Niger communiqué dɔ cari la nin communiqué in b'a jira k'a fɔ ko mun ye général Abu Tarka ye ko a gɛnna ka bɔ Niger armée la. General Abu Tarka i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ lakodɔnnenba don kosɛbɛ Mali ani Burukina sabula ka Bazoum to fanga la ni cɛ kofɔlen a ye dɔgɔyama caman ta ka ɲɛsin ni jamana fila ninnu ma. General Abu Tarka avril kalo tɛmɛlen k'a to kɛnɛ dɔ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni jamana fila ninnu Mali Burukina k'u bɛ k'u disi gosi k'a jira k'a fɔ k'u bɛ banbagaci kɛlɛ la k'o ka sɔrɔ k'u tɛ fosi la communiqué jalan kɔ k'u t'i ka nɔbɔ ko la a y'a jira k'a fɔ kulu Nigerian ko mɔgɔ b'olu bolo mɔgɔ min b'olu ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ ɲana u b'a tɔgɔta ni kɛlɛ ma ɲa olu b'a fɔ k'olu Nigerian ni nɔ don. Nin kuma in kɛlen mɔgɔ caman ye kumara Nigerian dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ k'u yɛrɛ ye n'i ma se k'u fo i ma kan k'a jira u la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ aw bolo min bɛ ka kɛlɛ kɛ aw nɔ la k'o ye fugariya ye ko général Abu Tarka ka ni général Yama kan. Nigerian dɔw yɛrɛ ye lɛtiri kɛ k'a ci Bazoum ma k'a jira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen ni kaso ka kan. Bazoum ka fanga tiɲɛnen ka daminɛ o don fo bi ɲɛma da ni cɛ kofɔlen kan. Communiqué bɔra kunun o communiqué y'a jira k'a fɔ ko mun ye général Abu Tarka ye ko a gɛnna ka bɔ Niger armée la sabula depuis septembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛlen a sen ma ye baarakɛyɔrɔ la Niger autorité ye décision ta k'a gɛn ka bɔ Niger armée la. N'i y'a ye Niger autorité ye nin décision ta ka Abu Tarka gɛn ka bɔ Niger armée kɔnɔ Bazoum ma surunya mɔgɔ don sɔmi kɛlen don a ma k'a jira k'a fɔ ko a bɛ bɛnbɛn na fanga kɔntoru la a ye mun fɔ Mali ni Burukina ma yanni bi cɛ an ka jɛ an k'o lamɛn. Mali et Burkina Faso se sont isolés de la communauté internationale et ne reçoivent plus aucun soutien ni militaire ni financier.
Elles se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour notre part, le président de la République a fait le choix de faire appel à nos alliés français, allemands, américains, italiens, espagnols, mais aussi nos alliés africains au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, des agences des Nations Unies. Tous se mobilisent à nos côtés, sous notre direction. Ceux-ci comprennent aussi que c'est à nous de mener cette guerre. Ce n'est pas leur guerre. Ils viennent seulement en soutien là où nous en avons besoin. Si nous échouons, l'échec sera essentiellement le nôtre et non celui de nos alliés. Et si nous réussissons à protéger notre pays, à le reconstruire, nous l'aurons fait en toute souveraineté. Premier ministre Sogal Kogala Maiga et général Gamou Bismila. Kounou Adjabalala. Premier ministre Sogal Kogala Maiga. Aïla Delika Chamadi Kidal gouverneur Kourama. Premier ministre Sogal Kogala Maiga Adjira. Ogelea Chamabe Kidal Nguatina. Ko général Gamou Kankadon. Ko Nguatini Watito Tekilinide. Ako général Gamou Bekata. Mission Sabadila. Ko a mission nous. Bege Inafo. Foulane Dounou no général Gamou Kuna. O mission Foulane Folo. Ore. Ko général Gamou. Abekata. Jamana kuntigi de represente Kidal ni a lamini bela. O kofe, a adira kafo, ko general Gamou, a kabara yomuni, ore, kamali represente, kamali segi, Kidal, sabula, ye a santa, boyonwe, nununte maliko kumame. O kofe, ko general Gamou kabara bika mouni, ore, ka development ke Kidal, sabula ni kelebe yorola, ni militaru ye barake, ka yorol liberi. Mumba to bembena, jamana kono do ni nyonche. Mumato bemena yorola wala sa mugo kana sigi uka wale koroka ode ka development ke ako ale de lakafo no asoro ne mali barsigile kemekeme sarala mugani duru de kera ato biolo vlani duru o ye development o be mali ombulu ako general gam kanga jato fere sabla mugo nunu u be sigi kana kana ke na fo madeliga marfata ka jamana kele ko ale te se ka fin ba fo ola sabla general gamu era generali abe adomeni don ako justice ko ni noya sabla justice jike nyama kujila kamanda da ni mugo nunuka pour que ka general gamu ka bara noya ka ni mugo nunu mina li noya ako general gamu ka a aklito ni yoroina ako general gamu ka nyele ka ni yoro jate mine angaje angata primature la angata premier ministre shokal ogala maiga ka ni la delikanu muname kadiki dal gouverneur kurama ni akangata barada mine kidan. Vous avez le triple chapeau comme représentant du chef de l'État, ça donc c'est l'armée. Mais il y a le développement économique et social qui doit se faire, tendre la main aux populations, les faire venir, car vous êtes représentant de l'État, investi comme je dis de la confiance du président, chef de l'État. Vous êtes investi aujourd'hui du soutien de l'ensemble des Maliens. Vous devez donc agir pour restaurer l'État et la réconciliation dans le Nord. Vous devez rassembler le plus large possible en transcendant tous les clivages politiques, tous les clivages ethniques, tous les clivages religieux, tous les clivages sociologiques. Sensibiliser, appeler et rassurer pour le retour rapide des populations déplacées à l'intérieur et hors du Mali. Prendre toutes les dispositions pour la réouverture des écoles et des centres de santé. Faire preuve, monsieur le gouverneur, de très grande humilité dans la fermeté requise. Je vous sais très humble, mais je vous sais aussi ferme. Parce que j'ai des informations où des gens qui n'ont jamais pensé que vous allez résister à leurs sollicitations se sont dit qu'ils pouvaient vous retourner. En vous voyant, ils se disent qu'on peut négocier avec eux. Mais ils sont tombés, comme je dis, sur de l'acier dans du fer, de l'acier dans du velours. Il faut maintenir ce cap. Être extrêmement humble et ferme. Et tout laxisme est à bannir. Redoubler de vigilance et beaucoup de discernement pour empêcher tout retour des terroristes sous quelque forme que ce soit. Parce que certains vont se déguiser, ils vont se faire passer pour des gens bien convertis. Et je sais que vous connaissez tout ce système-là. Quand
kunafoni nana o betana ye bagas kuna sini bamagachu ye kar flare mine kar kele ani minibus kele ni kar flare minera dugu flan nyongchela ni we baru ani sango biaye ni ya asan sababu yenwe karini mogo be mine ni duguina katanui utado wi yalela wa ujigina mogo shite ado ako galera taratado ni dugu ko fale uyo mogo akemu mine adugu kono adamado nga uyo muso worobla ani che bisa bani konoto ajirada kafo ko che bisa bani konoto imblala ko uluga dugu mogo ye akor de sieni bamagachu ye wala so ko mogo ka se kabla munu ka dugula mogo masonka akor si utarani olui nité à chien folloy nité à flanaï commandant mété allez kuma kelaï kabo mopti rejona mouye commandant mété ajira kafo koko be kadama teme owa koni sera ni duguina ibaye kafo mobli kolo chama jolenu sabla ube karnu numine ka amogo akono ka udo usaguna da ofe ka moblu ufli kata ajira kafo ko wati sera autorité kani kota sebela konote ko dugula mogo nunu be songa akor sini bamagachuwi ni okera odun chemany aw ni nga ji nga ta komanda mitika ni kuma nunu name bamagachuga e mogo minekola moti pazi sur les pays d'oran amena na kuma pays d'oran information ka kunu na oba kalama ka fo karkele minana ana mogo katanuye ale ni 207 kele ga karkele mu ya mina uyo muso woro blala ko ale ni u klala ga chie do bla ga utara ni chie to be uno fo utara ni chie munu uno fo kulu ye kuro ka uye uyulu bla ga bankasi kaw ulu bi kari ko na maliyo obi se ga famu todi jamana kuturu kar kuturu na mogo de bitunu ulu ti ye dati do akumala duguma kolo ma terrain u ga do duguma kolo jukoro sankolo ma dele aga kito kuma na foto do u ga yela nu ye sankolo la fubi mali kelen de konoya ubi mali territoire nin kelen de konoya ka foku mogo bi minati ye mogo keme hirika 2021 kar sabana mogo minana fo sisa ubi sante wa ubi duguma mama ke alaye ka don sisa 2023 in konana ni mois in konana sisa ati teme ati 10 jours bo u ye kar saba de minana kar kele uyo mogo bla kar flana mogo ubi sante wa ubi duguma mama ke alaye ka don o ma 10 jours soro folo kuno encore tuguni mardi ka klaga kar kele ma bi kono toni ko gatana mogo be uyo muso bwala ga chedo bwala katani cheto be katani 207 kele 207 ni o morti mobilité maliyo mbaw nyini gane alaye ambi jamana na sugu jume ka sanga anko ara dar bambulo ka sanga anko duron bambulo ka sanga mali billah ala ya munabi mati sega na kibina be malika mati sega na kibi jomba yake malila au bi sega famu kar kuturu mogo de bitunu ati sega lakali lakal tugo tala kwa kuno ankoro mardi paru ani soro bia aduguni fla min dama kasala ni mama bi komana mete sui depuis 2019 mbi kasi ni duguni fla ina abi bayangara ni bankasi de ni nyonche paru ani somo bia ngo atak jugu ba fem bi ke fali jugu ba fem bi ke abi ken ni yoro ndila paru ni soro bia ni yoro aga duguni sirie aga duguni afghanistan aga duguni misra tay ni sera yende buna harama de su do lendo ala donen to ganye ni sera ye yende mobulu ka cimetière paru ani sokobia aduguni ke flati teme 5 km ka donc ka mun fo nga auto de la transition nu bi wili ka jo fem fe sabati u ka sabati ni manunu nu bi san fe u bi duguma u ka ye ma minu mina na che nunu ka tanu ye nunu furumuso ba fo togodi nunu Nero ko yanga bi flash info ko da ko an ci aka la mel ko nyuma na an fa lu an la jaba bela jele kringre la mun me ka la jaka bo Egypte aka ambe wo kati yere Jerry Rawlings au Ghana qui est célébré. C'était un militaire, non? Mais aujourd'hui, il est célébré par les Ghanéens. Thomas Sankara, c'était pas un militaire, mais qui est célébré jusqu'à aujourd'hui, qui continue d'influencer la génération que nous sommes. Qui a dit que les militaires ne pouvaient pas gérer très bien la chose du public? Qui a dit que les militaires n'avaient pas leur place dans la politique? Qui a dit ça? On voit des gens en veste qui se mettent sur des plateaux, qui se prévalent à avoir toutes les connaissances du monde, et les militaires doivent retourner en caserne. Mais depuis, nous sommes gérés par des civils, non? L'Afrique évolue ou bien régresse? Comme a dit ce jeune au Gabon, plus de 60 ans, c'était des civils. On n'est pas dit pendant 50 ans, une famille. Le pays a évolué ou le pays a régressé? Le colonel Assimi Goïta qui a libéré le Mali. Mais il y avait un civil avant, non? Ibeka. Est-ce que, voilà, et pendant 10 ans, le Mali est resté en complicité avec la France dans cette même position d'occupation d'une partie du pays. Mais il a fallu que ce soit un militaire qui vienne libérer le pays. Pareil qu'au Burkina. On s'est dit, oui, ok, le premier coup d'État qui a été fait au Mali, c'était un civil qui devait assurer la transition.
Mais ils ont vu le fonctionnement du CIVI qui n'était pas totalement différent de Ibeka. Pourquoi? Parce que c'est encore quelqu'un que la France est passée derrière. On a sans laver le cerveau. Il faut appliquer ce que nous on veut. Il faut faire ceci. Pourquoi? Pour les maintenir au Sahel. Pour les maintenir là-bas à Kidal, qu'ils continuent de faire leur business là-bas. On s'est dit non, lui-là, si on reste avec lui, on n'aura pas les résultats. Il faut le dégager. Ils l'ont dégagé. Quoi? Ils se sont servis de la CDAO pour faire des pressions. La transition de 3 mois, il faut organiser les élections. Comme depuis quand? Et puis, ils nous ont toujours amenés dans ça. Il faut organiser les élections dans un pays stable, dans l'insécurité. Parce qu'on sait que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Comme j'ai reçu un jeune récemment qui me disait dans un commentaire d'une vidéo que la mission des Français dans le Sahel n'était pas pour établir la paix. Sinon, ils l'auraient fait. Eux, ils gagnaient à ce que ça reste comme ça instable. Mais il a fallu que c'est un militaire qui est venu libérer le pays. Parce que n'oublions pas que le militaire n'exécute que ce que le politique décide. Mais si le politique prend la mauvaise décision et que le militaire, il va exécuter la mauvaise décision et qui va forcément conduire au mauvais résultat. Donc parfois, il faudrait que le militaire aussi soit au niveau de la prise des décisions politiques pour voir si c'est la cadre avec la réalité du terrain pour pouvoir défendre le pays. C'est ce qui s'est passé au Mali, pour que Kidal soit libéré. Vous n'avez pas pu libérer pendant 10 ans tout un territoire. Il a fallu que ce soit ce jeune colonel qui arrive à la tête de son pays, souciant, conscient, et dit « il faut libérer mon pays ». Et il a libéré le pays. Et la plupart de ces jeunes qui sont à la tête du pays sont assez conscients. Mais quand vous arrivez dans cette situation, on dit « il faut donner le pouvoir aux civils ». Et comme a dit ce jeune, de quel civil on parle? Comme par exemple au Gabon, de quel civil on parle? En face là-bas, c'est quelle opposition? Tous ceux qui sont dans l'opposition gabonaise là, ce sont tous ceux qui ont servi le régime du père et le régime du fils. Il y en a qui ont servi même les deux régimes, et le père et le fils. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de se presser pour dire il faut remettre le pouvoir aux civils. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la même chose. Parce que voilà, le président Bongo n'était que à la tête, mais le système ça reste. Les éléments du système sont toujours là, un peu partout. Et si on remet le pouvoir aux civils, ça peut être encore l'un des leurs et c'est la même machine qui continue. Et puis moi je pense même qu'une fois les gouvernements, la plupart là sont renversés, il faut bien que ça soit un référendum du peuple qui décide de la durée de la transition. Nous sommes fatigués que ça soit la France qui nous dit il faut 3 mois de transition. Que ça soit la CDAO, l'association des vieux ou encore la CEMAC. La plupart sont ceux-là qui ont aussi tripatouillé les constitutions pour se maintenir là-bas avec les troisièmes mandats. Et c'est à ces gens-là qu'on dit, une fois on a renversé des États, il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est les mêmes qui sont au pouvoir depuis pas mal d'années. Mais quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Moi, je m'insurge contre cette idée qu'on veut inculquer dans la tête de cette génération que nous sommes. Le militaire n'a pas sa place dans la gestion politique. Ça, c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Et moi, parfois, ce sont des gens qu'on nous dit, c'est des gens qui reviennent, des agrégés, des docteurs, dans les grandes universités françaises et tout. Pourtant, le père de l'indépendance de la France était militaire. Mais il faisait quoi alors dans la politique? Pourtant, c'est lui qui est le héros de la France. Mais ce sont ces gens aujourd'hui qui viennent nous dire les militaires doivent retransmettre le pouvoir aux civils. Mais c'est les mêmes civils qui ont conduit le pays dans la situation dans laquelle elle est. Les mêmes causes ne produiront que les mêmes effets. Parfois, il faut changer et laisser les militaires avec leur rigueur faire leur travail. Moi, je trouve ça anormal qu'on exclue une certaine catégorie de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à une telle profession et n'ont pas leur place dans la politique, non? Au nom de quoi la démocratie? Quelle démocratie en plus on nous parle? Et ceux qui nous parlent de démocratie, c'est les Occidentaux. Et c'est au nom de cette même démocratie qu'ils ont incendié la Libye. Soi-disant, ils partaient installer une démocratie. C'est une démocratie qu'ils ont installée là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population que, en complicité avec eux, se sont rebellés contre le pouvoir en place. Mais c'est logique que dans une même maison, parfois, l'enfant n'est pas d'accord avec son père. C'est pas pour autant que l'enfant va aller chercher l'aide à l'extérieur pour ôter la vie à son père. Mais c'est justement ce qui s'est passé en Libye. Parce que la population des Benghazi, que l'Occident est allé monter, était contre lui, se sont levés pour manifester contre Kadhafi. Mais lui, c'est logique. En tant que chef de l'État, il faut rétablir l'ordre. Et le fait de pouvoir rétablir l'ordre, on dit qu'il est en train d'oppresser sa population. On se sert de ça pour lui ôter la vie. Mais si c'était le cas, Macron ne serait pas président en France. Parce que quand les gilets jaunes se sont levés pour manifester, on a vu la répression qu'il y a eu sur les gilets jaunes. Les gens qui ont été éborgnés. Et c'est les gens comme ça qui viennent nous parler de démocratie. Qui se mettent pour nous donner des leçons. Mais si c'était le cas, c'est que lui, on l'aurait dégagé de là. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange de la population qui se sont manifestés contre lui. Mais c'est pas pour autant qu'on l'a dégagé. Mais quand ça se passe chez eux, c'est la démocratie. Et quand ça se passe chez nous, non, c'est pas la démocratie. C'est pas le respect des droits de l'homme. Et puis, ils ont leur truc là dans leur bouche, où d'après eux, le respect des droits de l'homme, il faut accepter les histoires des papa, maman, maman. Pour eux, c'est ça, respecter les droits de l'homme. Mais qu'en est-il de nos milliers de frères qui meurent tous les jours là-bas dans la Méditerranée?
Comme disait notre sœur Fatou Diou, si c'était les leurs qui mouraient comme ça, le monde allait trembler. Mais comme c'est les nôtres qui meurent là-bas, on ne parle pas des droits de l'homme. Au contraire. Mais eux, ils payent des centaines de millions d'euros à tous ces pays qui sont tout autour pour faire une barrière pour que les gens n'arrivent pas chez eux, pour les protéger. Et ça, ce sont les gens qui nous parlent des droits de l'homme. Mais quand on parle de droits de l'homme, on ne commerce pas avec l'Arabie Saoudite. Quand on parle de droits de l'homme, on ne commerce pas avec les pays des Émirats Arabes. Connaissant comment les droits de l'homme sont dans ces pays-là, mais vous acceptez de commercer avec eux. Ce sont vos principaux partenaires, ce sont vos amis. Vous ne dites rien, vous fermez les yeux. Mais c'est chez nous que vous venez nous brandir une certaine droit de, voilà une certaine, je sais pas, une certaine façon, une conception des droits de l'homme et des démocraties. De quelle démocratie vous nous parlez? Les Émirats Arabes Unis, on a vu quelques années, 10 ans, 20 ans en arrière, ce que c'était. Et aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. Avec un système de démocratie qui leur est propre à eux. L'Arabie Saoudite, pareil, par rapport à un système de démocratie qui leur est propre à eux. Qui a dit que la démocratie devait juste se définir par rapport à la perception de l'Europe? Non, on a nos principes à nous, nos traditions, nos coutumes, nos principes, nos valeurs, nos croyances, nos spiritualités. Que tout ceci doit être pris en compte dans notre système de démocratie, pas selon eux, et qui a d'ailleurs échoué. Parce que depuis les indépendances, ils nous ont ramené élections, tout ceci. On prend le cas du Gabon, ou presque 60 ans après. Voilà un pays, avec toutes ses ressources pour 2 millions d'habitants, devait être mieux que Dubaï. Mais c'est les civils qu'on a eu au pouvoir pendant 60 ans. C'est pour autant que ce pays a évolué? Non, pas du tout. Donc parfois, le fait de dire les militaires, il faut les exclure, je suis désolé. C'est vrai que parmi, il y a aussi des militaires qui arrivent, qui sont des vendus, comme ce qu'on a vu au Burkina avec le colonel Damiba, qui arrivait, qui n'était pas différent des Ibeka. Et c'est là où le capitaine Traoré a vu pour dire, ah lui là, c'est pas la peine, il faut le dégager. Et il y a des coups d'État, eux, ça les arrange. Par exemple, le colonel Damiba, le coup d'État, non, c'était bien. Parce qu'il a été reçu en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara, qui disait, je suis content de te recevoir ici, monsieur le président et tout. Pourtant, c'est un poutiste. Mais pourquoi il est content de les recevoir quand ça les arrange? Quand le coup d'État va en leur faveur, ça est valide. Mais quand le jeune Ibrahim Traoré arrive, qui s'oppose totalement à toute cette manigance, vous les avez vus, l'opposition farouche. Il faut 3 mois pour organiser les élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà prévu un autre sous-préfet, un autre pion derrière en attente. On va organiser les élections. Ils vont encore trafiquer pour le remettre au pouvoir. Quoi? La même chose recommence. Ne tombons plus dans ce piège. Les dites le militaire a le droit de se présenter à une élection. À partir du moment où il met de côté son uniforme, qu'on prévoit les textes. Qui a dit que parce qu'on a assuré une transition, on ne peut plus se présenter? Et on nous met tout ça dans l'esprit. Pourtant, si la transition s'est bien passée, les résultats sont là. Mais on veut quoi? On veut tout simplement que le pays puisse émerger. On veut que le pays devienne émergent et se développer. Alors, mais si on a quelqu'un enfant du pays qui est capable d'apporter ces solutions, pourquoi l'exclure? Parce qu'il est militaire. N'est-il pas enfant du pays? Et qui a dit que les militaires n'étaient pas des intellectuels? Il y a des militaires docteurs, il y a des militaires ingénieurs. Il y a des militaires, quand vous voyez leur raisonnement, mais ils ne sont pas allés à l'école comme des agrégés qu'on nous fait croire qu'ils sont agrégés, mais qui ont un raisonnement que parfois, qui laisse à désirer. Ne tombons pas dans ce piège. Je suis tombé sur cette vidéo de ce jeune qui m'a vraiment intéressé et qui a attiré mon attention. Et la plupart des pays vivent cette situation. Il ne faut plus qu'on tombe dans ce piège. Ce n'est plus à eux de nous dire comment est-ce que la transition va se dérouler, la durée. C'est au peuple de décider. Et moi, je pense que la plupart de ces pays, pour définir la durée de la transition, devaient passer même par les référendums. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les bas CDAO, ce n'est pas les bas CECI, une association des vieux, pour la plupart mal élus, qui vont venir s'asseoir pour nous dire ce qui va se passer dans tel pays ou tel pays. Au nom de quoi? Et au nom de qui? Nous sommes au 21e siècle. Cette ancienne façon de fonctionner s'est révolue. Il faut bien qu'ils comprennent ça et ils s'adaptent à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille.